Bonjour Fanatique Bio, bonjour Fanatique Takotak, bonjour Paul. Moi content d'avoir encore une fois jeudi pour l'autre Takotak. Et moi bien content ensemble avec Auto Herbi, ensemble toute Fanatique Takotak, toute Fanatique Bio. Nous connaissons très bien que depuis 9h30 chaque jour et nous avons un sujet intéressant que nous porté pour tant que nous connaissons, moi même ensemble avec Herbi, nous parler pour nous tacler l'autre. Jeudi nous avons un sujet assez intéressant Herbi. Mais avant de commencer, Baptiste, moi je félicite parce que je lis l'article hier, l'article côté où détail comment saison, malgré la pile frappe, mais je voulais continuer malgré tout. Félicitations, et je rappelle tout le monde qui voulait lire l'article, ça, vous pouvez aller sur la page bio là, ou bien vous pouvez aller sur la page Port-au-Prince Post pour vous lire l'article côté Paul pour dans détail toute péripétie qui fait dans la saison et malgré tout NBA a continué pire. Ouais, et merci en pile et merci tout le monde qui suivent nous sur les réseaux sociaux. Moi j'ai un article que moi j'ai qui publié sur website équipe Port-au-Prince Post. Moi j'ai un ensemble avec Negio, me pense que et presque chaque semaine nous t'a doué joindre un article moi sur Port-au-Prince Post. Côté que évidemment on a bien pour nous parler de sport mais particulièrement de NBA évidemment côté que on a couvrir malheureusement parmi moun que NBA un journaliste que NBA ont choisi et pour aller dans Bobolan pas choisi pour mettre sous paywall yo pas choisi pour mettre sous paywall yo donc n'a pas essayé ouais qui j'en ka joindre information le plus que capable et même si que nous pas dans Bobolan même pour nous contacter quelques journalistes qui en dedans qui ont des informations de premier main bon bagay men et puis n'a tout été la NBA aujourd'hui comme nous commencer la NBA n'a tout continuer la NBA. Ouais, n'a pas tout continué en NBA, tant que je dis que prend pile frappe. Sorti dans la Chine, passé dans David Stern, aller dans Kobe, rivé dans coronavirus, vin tomber dans la mort George Floyd et qui c'est on proche de ancien joueur NBA etc. Donc on implication joueur NBA dans question Black Lives Matter. Et maintenant que je n'ai dit que Vanzé Maré, l'appli par l'appli, n'est pas fini NBA et n'a pas volé et pour le moment c'est une bonne nouvelle que dernier test sur Herbie révélé que par contre 15 joueurs gain coronavirus. Même Lou Williams qui t'a mangé wings. Même Lou Williams qui t'a cherché wings. Non, et on strip club. Monsieur OK. En tout cas, action NBA va commencer. Il y a deux belles matchs, deux belles affiches. Il y a Utah qui va jouer contre Pelicans, Utah Jazz qui va jouer contre New Orleans Pelicans. Et Zion lui-même, il est incertain, il est day-to-day, pour dire, il est au jour le jour. Et puis, il y a les Lakers qui vont jouer contre Clippers. Oui, et Zion est incertain pour une raison simple. Monsieur arrivé dans Bobolan début semaine. Moi, je crois que monsieur arrivé dans Bobolan lundi ou samedi. Monsieur arrivé dans Bobolan samedi. Et l'autre deux, normalement, sous respecter tout principe NBA, ça veut dire qu'on fait test chaque jour, etc. Ou bien seulement 4 jours pour faire en quarantaine. Et dans Bobolan vont qu'on disponible 4 jours en quarantaine veut dire qui ça monsieur fait samedi dimanche lundi mardi qui c'est 4 jours et monsieur reprend l'entraînement seulement mercredi monsieur reprend l'entraînement jeudi donc faire monsieur jouer espace 24 heures entre entraînement et match on t'y en risqué d'autant plus que nous connaissons que monsieur toujours un petit peu bien physique et même rumeur qui te fait quoi que monsieur t'es déjà gon crampe qui t'a dérangé pendant que le temps dans sorti quelqu'un qui dit est-ce que c'est bagage et famille vrai. Est-ce que c'est pas personnel? Est-ce que c'est pas anti-Jean Pio? Mais il va au Lou Williams. Non, c'est pas Lou Williams là. C'est pas Lou Williams, c'est des Wings dans ce club là. En fait, il y a des gens qui étaient même suspect que c'est peut-être cacher Zion pour éviter trop de pression, poser question. Est-ce que pour ça monsieur pas jouer, pour ça pas entraîner, etc. Ils mettaient le deux au bobo. Il y a des gens qui disent ça, ok? Mais monsieur reprend l'entraînement hier, monsieur en forme. Tout incertain, c'est parce que yo pas vle courir mettre le jouer pendant que le pas entraîner en pile ensemble avec équipe là. Donc day to day là ça veut dire que deux mois qu'on a mis affiché, qu'on ça tout qu'on n'a pas affiché parce que faut que nous songer une table tout ça Herbie. NBA compte en pile sous présence et Zion et était programmé Pelicans dans même en pensant que Zion a disponible et jodi un point d'interrogation sous présence monsieur. Pendant que saison va recommencer, yo gen t'a penser, nous gen t'a penser avec année prochaine et ça qu'a gain pour faire l'année prochaine parce que là podcast The Herd avec Colin Cowherd. Monsieur te font une interview avec Charles Barkley et nèg yo te font parler sur dossier Giannis Antetokounmpo. Et Giannis Antetokounmpo nous connaît que contrat monsieur en 2021 l'a fini et monsieur Wallon free agent. Maintenant monsieur pose Charles Barkley en question, monsieur dit monsieur m'a dit Charles Barkley si année ça, si pour saison ça Milwaukee Bucks pas champion, est-ce que Giannis t'a doué rester dans Milwaukee Bucks toujours ou bien il t'a doué et aller chercher aller gagner par l'autre côté Maintenant, Charles Barkley répond, monsieur, dit Giannis Antetokounmpo. Même curieux pour me dire qui ça ou même ou t'as envie de dire sous dossier ça. Est-ce qu'on pense que Giannis t'a supposé rester et si il n'est pas champion année ça ou bien il t'a dû aller? Moi, crois que Giannis, si monsieur pas champion année ça, il doit quitter Milwaukee Bucks. Ok? Moi, c'est ça me crois. Parce que ça crivé. Milwaukee Bucks c'est une franchise qui pas attiré un pile superstar. Et d'ailleurs, ou qu'à compter sous doué tout qui quantité superstar passe dans Milwaukee Bucks. OK? Et Giannis, c'est vraiment meilleur produit que vous gagnez depuis Ray Allen peut-être. OK? Même plus gros, même que Ray Allen. Est-ce qu'on commence à me le dire? Là, ça veut dire que, n'a pas les quand même d'un joueur qui est capable et sacré MVP back-to-back. Et ça veut dire que moi pas gagné toute liste de joueurs qui passent dans Milwaukee Bucks dans tête là et accomplissement dans équipe Milwaukee Bucks là. Mais peut-être que n'a vivre là le meilleur joueur de Milwaukee Bucks. Donc ça veut dire que yo pas attiré un pile superstar mais son équipe tout qui fait très peu de succès même avec Giannis par exemple, yo pas même font finale de NBA. C'est vrai que Giannis monsieur a monté d'année en année, mais je pense que monsieur capable, pour moi-même, si monsieur voulait a toujours fait en dernière année, après année, ça, si toutefois, il n'est pas champion pour s'activer, on nous dit que année ça a un petit gens perturbé. OK? Quand si année ça perturbé, et puis, et monsieur voulait quitter, moi-même, moi pour monsieur quitter, s'il voulait aller tout saison prochaine, moi, je crois que monsieur doit quitter de toutes les manières, si toutefois, il n'est pas champion avec l'équipe ça, année ça ou bien année prochaine. Pour qui raison? C'est parce que moi crois que il y a trop de gros joueurs qui passent dans NBA hein, sous base peut-être fidélité et puis qui pas champion ou du moins même pas sous base fidélité. Mais il y a de grands joueurs qui passent dans la ligue juste parce que pas champion. Yo vraiment et on dit pas ba yo trop valeur par exemple à faire des classements de joueurs de meilleurs joueurs de tous les temps. Par exemple, on joue tant que Charles Barkley par exemple qui était MVP ligue là. Qui à un certain moment t'a dominé aux côtés de Michael Jordan. Mais Charles Barkley, regardez ouais chaque fois chaque parle avec monsieur, il vraiment ridiculisé monsieur juste parce que monsieur pas champion. Il y a quelques autres joueurs par exemple et George Gervin par exemple. Son joueur que un pile monde oublié, mais n'a pas les deux joueurs qui gagnent en moyenne 26 points par match, qui All-Star presque 9 fois et scoring champion presque 4 fois. Et je veux dire soit font classe meilleur bi ou m'entendez parler de George Gervin et Allen Iverson et si on font classement top 10 monsieur pas j'aime la donne mais si n'a regardé Iverson qui a joué basketball ça veut dire pur basketteur maintenant est-ce que on moun pas ta poser question pour dire qu'est monsieur est-ce que si Iverson pas prend grand titre est-ce que par exemple il pas ta bailler monsieur plus considération comme joueur basket et moi crois que et Jodien li un peu plus clair jouer un peu plus et comment me capable de dire ça tout comprendre business là et ça crée les loyautés à on fan base là ou bien on franchise là pour moi même pas gain ça parce que franchise là l'on pas utile encore la trade la vous jeter garde ça crivé avec Azan Thomas avec Boston Celtics monsieur presque by call par exemple pour Boston Celtics pendant que monsieur était un problème dans hanche monsieur accepté jouer monsieur joue une grosse saison, c'est vrai. Mais après ça, Boston Celtics prend le niveau dans Cleveland Cavaliers. Je dis là, monsieur a cavalé d'équipe en équipe, passé dans Denver, passé dans Washington Wizards, etc. Monsieur pas jamais qu'à jouer une stabilité, vraiment pas jamais qu'à rejoindre niveau joueur de lui. Pendant que il pensait que Boston t'a kembe les ballons bon contrat. Boston pas fait ça, par exemple. Donc pour moi même, et c'est ça que fait moi pas dans question loyauté pour équipe, loyauté à fanbase. Parce que quand il a fini, il va le juger sous son fait. Et généralement, qui s'allie Herbie, c'est qui quantité de titre à MVP final ou prend la plupart du temps. C'est ça qu'on considère. Qui s'en prend en tant que leader. Je dis si Giannis, dans Milwaukee, il n'est pas champion, et il gagne comme meilleur joueur Chris Middleton, eh bien, que monsieur, s'il est capable, à l'autre côté, il prend titre pendant qu'il a crasé mon individuellement. Et tout le monde, et moun pral wè l'autre gens. Et moi-même, c'est point de vue, pas sur question Giannis. Yeah, au fond, bon point, mais m'a regardé li en termes de Giannis et le point que monsieur est dans la carrière. Parce que Giannis, c'est quand même 25 ans que monsieur gagne. Monsieur son nèg qui jeune toujours. Donc, monsieur gagne un bon 6 ans, nous kaba monsieur on passe. Donc, ça fait même penser que monsieur t'a arrêté. Mais pour monsieur t'a arrêté, faut que tu as un changement qui fait dans l'équipe là. C'est vrai que pas de free agent qui pourra accepter venir Milwaukee vraiment parce que son monde aller Milwaukee, côté Milwaukee là, c'est comme si on isolement. Yes. Son isolement volontaire. Mais ça moi penser qui était qu'a fait pour me dire bien pour Giannis c'est arrêté, c'est pour moi dire ça là grand pour le monde qui va être étonné. Faut Milwaukee t'a trade Chris Middleton. Raison qui fait me dire ça c'est parce que Chris Middleton c'est vrai monsieur son All-Star et monsieur c'est deuxième nèg qui bon côté Giannis qu'on y a là même pas dire que monsieur pour ça l'a touché là qu'on y a là, me pense que production monsieur t'es quand un type t'es plus et Chris Middleton c'est 28 ans monsieur gagnant monsieur qu'on y a là il fait aussi année dernière il aussi un contrat avec Milwaukee Bucks et contrat ça moi penser que au fil du temps contrat ça doit venir révéler li en bad contract. So d'après moi Milwaukee t'a supposé capitulariser et transférer Chris Middleton pour qu'il gagne de meilleurs assets pour le mettre contre Giannis Kounia là. Et ben c'est Kounia là, c'est un plus beau moment où tu as trade Chris Middleton. Après ça, soit regarder équipe et Milwaukee c'est une top équipe qui est en défense Kounia là. C'est une top équipe qui gagne la offensive. C'est une meilleure équipe qui est la NBA. Bah ouais que Giannis ta ouais li urgent Kounia là pour ta courir quitter équipe là pour aller dans l'autre équipe. Et même ça, tout pour la faire même bagarre avec Kevin Durant ou bien LeBron James, etc. Je pense que monsieur qui a arrêté dans Milwaukee, il a bâti autour de monsieur, parce que quand il y a là, Milwaukee a un bon noyau. Milwaukee a un bon noyau et je pense que il a peut-être un decent shooter ou bien un decent superstar ou bien un decent star, mettez côté Giannis pour qu'il go to the next level. Je pense que Chris Middleton, c'est Nick qui a mené là. Et Milwaukee sur la bonne voie et Giannis pas obligé de quitter. Et moi comprends ça dit, même pas du magaï. Et Chris Middleton trade pour qui est? Pour pick? Pour qui l'autre joueur? Qui? Non, package. Oui, on package maintenant. Qui ça Chris Middleton vaut, par exemple? Comme ça, qu'on équipe pral gen enthousiasme pour accepter contrat Chris Middleton, non? Et puis pour le bail un bon joueur. Ok. On va regarder par exemple équipe. On va regarder pour nous équipe yo deuxième meilleur joueur qui dans chaque équipe. Parce qu'on nous dit que si y a trade Chris Middleton pour une deuxième option. Un exemple comme ça. Et si par exemple m'aller par exemple dans conférence S là. Est-ce qu'on pense que yo ka font trade Middleton et par exemple avec qui est par exemple on dit Philadelphia 76ers avec Ben Simmons. Bon, Bamzo, pour Ben Simmons, même si Milwaukee, m'bada prendre Ben Simmons parce qu'il va pas adapter avec Giannis là. Kounya, même ça même m'te vle garder par exemple qui deuxième meilleur joueur, qui valeur par exemple deuxième meilleur joueur. Par exemple peut-être dans Miami, peut-être au cas un bon package plusieurs jeunes joueurs et shooters qui entouré et Giannis en plus de monde qui ont gagné déjà yo. Et puis pour ouais est-ce que capable arriver mais ça peut arriver encore c'est que ou pral manquer un deuxième star bon côté et jodi en ligue c'est ça à la mode et Toronto champion l'année dernière c'est vrai son deuxième star qui clair et derrière Kawhi Leonard but ou pas senti vraiment que moi même pas senti que y a joué un package qui est assez suffisant pour mettre côté Giannis à moins que gon superstar qui accepter 200 000 dollars qui a jouer ensemble avec Giannis mais dans le cas contraire pour moi et pour moi même Giannis était dans Milwaukee son cas perdu. Ou dit monsieur jeune vrai, monsieur qui a 25 ans, c'est vrai, il a 25 ans. Mais monsieur pas prendre deuxième MVP là parce que apparemment tout le monde qui vote yo gain podcast, yo gain émission dans média etc. monde plus ou moins senti dans qui sens a voter et leur collecter toute et opinion monde ça yo suspect que Giannis a prend MVP mais vraiment sans discussion sur le bon. Ça veut dire que yo pas pral commencer et prend monsieur même janté le pour MVP non jodi en pression pral sorti sous do monsieur c'est vrai que ou besoin moun bon koto mais ou même en tant que superstar qui sont fait avec équipe là jodi on pral juger monsieur sous ça songer sacrifier le bon c'est ça mener monsieur Miami songer sacrifier Kevin Durant quoi que bah Kevin Durant dans lui même son bah on ka pas on équipe va mener sous les 3-1 qui bat tout. Et puis, même intersaison, ça va le joindre, mon cher, ça c'est le dernier niveau à net lui-même. Mais c'est même pas c'est par rapport à ça, négio, jean négio, ouais, que médias particulièrement critiquer l'équipe à champion. Ok? Négio dit, mon cher, si c'est comme ça va aller, bon, mal prend quelques petits tout pendant que Castille le meilleur joueur. Pas pendant, par exemple, m'a fini même genre avec Bon Gary Payton, même Bon Coleman, Lonio, etc., ou Jimmy Miller, etc. Et veut dire que n'ayez pas laissé, prendre pendant que Steve meilleur joueur, le bon rive fait dans Miami, Kevin Durant fait dans Golden State, quoi que bon, ça Kevin Durant fait à n'importe superstar qui était dans niveau Kevin Durant tape champion. Même moi quoi que monsieur si monsieur pas champion à Milwaukee, moi t'a bail tête 2 ans. Année ça, on pas courir quitter parce que il y a corona, il y a trouble etc. mais année prochaine, le bagage reprend forme yo. Gonfler événement mais si ba pas arriver puis me dit mon cher et cherche ailleurs si pas faire mon à Milwaukee gonok fait passer la tête moi là Kevin Love non et monsieur besoin un wing player vraiment mais son nèg qui camène m'a parlé d'un deuxième scoreur dans style Paul George par exemple pendant que au gon point guard et il a toujours Kembe Bledsoe comme point guard bien que monsieur vraiment underperform under équipe ça et puis ou gain on joue dans style Paul George par exemple un deuxième scoreur qui a marqué et puis le Giannis pas qu'à scorer tout qui a scorer à volonté même pas aucun monde dans ligue là ou pas changer pour Chris Middleton qui gain statut ça ou pas changer pour Chris Middleton peut-être Klay Thompson peut-être et Golden State voilà donc c'est ça m'a dit vous avez dit que tout le monde deuxième pièce importante équipe yo gain yo pas aucun équipe dans ligue là ba yo pas Anthony Davis en tout cas. En tout cas, Paul, ouais, ou devez finir avec on sait. Avec voilà. Parce qu'on a donné Davis qu'a quitté les Lakers dans fin année hein. Songez ça. Non, c'est vrai oui. On pile pour oublier ça, mais on pile pour oublier ça. Voilà, chercher. Yeah. Merci amis, vous avec nous, mais nous t'ai fait chita parler ça et rendez-vous à ces deux messieurs Dieu veut encore pour l'autre émission Takotak. Et n'a ton invité Fanatique à aller dans la section commentaire là fin de penser fais-nous ouais qui sont pensés à travers commentaire dans la section commentaire là like partager et puis abonner avec Chanel Bio là pour nous aider Chanel la grandi.